Bonjour à tous, bienvenue sur la chaîne YouTube Mécanique Sportive, c'est Nicolas. Aujourd'hui, je vous représente le Peugeot 3008, donc le dernier, hein, celui qui est actuellement en vente. Ceux qui ont vu la vidéo, n'hésitez pas à mettre dans les commentaires si vous l'avez vu ou pas de la première 3008. C'était la vidéo qui a vraiment lancé la chaîne et qui a fait que cette chaîne a pu se développer. Plus de 300 000 personnes hein, déjà ont regardé cette vidéo du 3008 la première fois. Et cette fois-ci, j'ai pris une motorisation différente. L'autre fois, on avait essayé le 3008 H4, donc dans une version hybride rechargeable, 300 chevaux. Aujourd'hui, une version avec un moteur plus commun, un essence, 130 chevaux et boîte EAT8. Totalement différent au niveau de la motorisation, mais au final, le reste est à peu près pareil, mais on va voir la différence, voir un petit peu les consommations, ce que ça donne et l'utilisation au quotidien. Le 3008, c'est une des voitures les plus vendues en France, c'est impressionnant. Souvent, on ne fait pas forcément attention, mais là, je savais que j'allais le récupérer. Et sur la route, j'en ai vu, mais tellement des 3008. Donc, quand on en voit autant, c'est que c'est forcément une valeur sûre. Et c'est vrai que, bah voilà, on va voir un petit peu à l'intérieur, etc. C'est un mix qui fait un bon compromis sur ce 3008. Et puis, bah, comme on est en France, on aime bien les voitures françaises. Et, tadam ! Bon, on fait un petit tour rapide de l'extérieur, de l'intérieur. Ensuite, on va l'essayer, comme d'habitude, hein, sur tout type de route. Et on fait un petit débrief à la fin. Alors, ce 3008, comme je vous disais, existe en plusieurs motorisations. On a soit de l'hybride rechargeable avec deux motorisations, soit le 300 H4. H4, c'est pour dire hybride et 4 roues motrices. Donc, il y aura un moteur à l'arrière, un moteur à l'avant. C'est un petit peu ce qu'on retrouve sur la 508 PSE, qui fait elle, un petit peu plus de chevaux. Et c'est ce qu'on retrouve aussi, par exemple, sur la DS9, avec les moteurs également à l'arrière. Mais c'est vrai que les 300 chevaux sur le 3008, c'était juste exceptionnel. Et le fait de pouvoir avoir une hybride rechargeable avec la puissance, c'est vraiment confortable au quotidien. Et surtout, l'hybride rechargeable, ben, c'est un vrai plus. Si vous n'avez pas vu, n'hésitez pas à regarder la vidéo. Elle est disponible, vous tapez Mécanique Sportive 3008, vous allez tomber dessus. Sinon, on a un hybride rechargeable en 225 chevaux également, donc il sera seulement une traction. On a le choix, donc aujourd'hui, ce choix que j'ai fait en essence, 130 chevaux, donc le PureTech, qui fait 1,2 litre, 4 cylindres, 130 chevaux, en boîte EAT8, qui est disponible également en boîte manuelle 6 rapports. Et ensuite, on aura le choix avec un diesel, qui fera lui 130 chevaux, qui sera lui un 1,5 litre, 4 cylindres, et on aura le choix soit en EAT8, donc boîte automatique 8 rapports, ou en manuel 6 rapports. Au niveau des poids des voitures, ça dépendra selon la motorisation qu'on a choisie. Mais aujourd'hui, par exemple, on utilise une voiture qui fait environ 1300 kg et on sera à 1850 kg pour la version 300 chevaux avec les batteries en plus, plus les moteurs. Au niveau des dimensions de la voiture, on est sur une voiture qui fait 4,45 m de long, 1,84 m de large sur 1,62 m de haut avec les barres de toit qu'on a aujourd'hui. Au niveau des finitions, on aura pas mal de choix. On aura soit le Active Pack qui sera l'entrée de gamme, soit le style, soit la Allure Pack, soit la version Road Trip, soit la GT, soit la GT Pack. Aujourd'hui, on a une finition GT avec quelques petites options comme les barres de toit, le toit ouvrant, le Night Vision, on en revient juste après dessus, et quelques petites options supplémentaires, plus l'alarme par exemple, et autres. Souvent, il est intéressant de prendre des packs qui incluent quand même déjà beaucoup d'options. Au niveau du prix, on commence à partir de 34 600 € sur une version entrée de gamme, donc avec ce petit moteur et pas de pack compris, donc juste la version d'entrée de gamme, donc en Active Pack, et on peut monter jusqu'à 56 000 € pour une version, par exemple, 3008 H4, comme on avait essayé la dernière fois. Je crois qu'on était à 58 000 € avec les sièges rouges massants et tout. Enfin, c'est vrai que c'était quand même un régal. Donc, ce qui est bien, c'est qu'on peut avoir vraiment une voiture simple de base, un SUV qu'on va utiliser au quotidien, à une voiture, un SUV qui va être un petit peu plus s'approcher des codes premium avec du cuir et autres, et une finition plutôt correcte. Au niveau des couleurs, on aura le choix entre 7 couleurs. On aura du rouge, du bleu, du blanc, du bleu-blanc-rouge pour dire comme la France, des gris et du noir. Là, aujourd'hui, on a ce beau blanc nacré qui, au soleil, amène quelque chose d'assez sympa. Les reflets avec les paillettes, c'est très joli. Au niveau des jantes, on pourra avoir le choix du 17 au 19 pouces. On aura le choix de 7 jantes différentes, il me semble. Et au niveau de l'intérieur, on aura le choix entre du cuir, un cuir mix, cuir Alcantara comme aujourd'hui, ou du tissu simple. Sur l'avant, on le reconnaît forcément, et comme on reconnaît toutes les Peugeot. Alors, l'écrou qu'on a ici, qui s'inspirait de la 508, avec un petit bout ici chromé sur le bout, des feux bien sûr full LED, donc la full LED technologie chez Peugeot, c'est écrit dessus à chaque fois. Donc, deux spots en LED, on a l'éclairage d'intersection ici, donc il y a une petite LED qui éclaire sur le côté, donc des feux caractéristiques, et
C'est là que je me rends compte, surtout lorsqu'on roule de nuit, il commence à y avoir vraiment beaucoup de Peugeot. Et c'est vrai que ce signe distinctif des crocs, ça fait qu'on a une apparence visuelle et surtout, on ne peut pas se tromper. C'est forcément une Peugeot qui a ça. Et c'est vrai que de nuit, faites-y attention sur la route et vous allez vous rendre compte qu'il y en a quand même vraiment pas mal en France. Ensuite, donc, quand ça avait été restylé, on a vu cette calandre qui s'étirait jusqu'ici, jusqu'à sous les feux. Donc en blanc, on voit vraiment bien la différence et la démarcation. Donc des petits bouts chromés qui se mettent là, plus ensuite couleur carrosserie. Donc ça élargit un petit peu toute cette face avant. Donc ces feux, on en a parlé. Quand on parle de choses de nuit, on a le Night Vision. J'ai fait une vidéo spécialement dédiée, pareil sur la chaîne. Vous êtes un petit peu plus de 100 000 personnes à avoir vu la vidéo. N'hésitez pas si vous ne l'avez pas vu, c'est une caméra. Donc qui va fonctionner avec de l'infrarouge, qui va permettre de détecter les piétons, les animaux de nuit. Et la vidéo est quand même très très poussée, hein. J'ai essayé avec des gens qui traversent, etc. C'est hyper intéressant à voir de nuit, donc il y a une vidéo vraiment dédiée à ça, n'hésitez pas à aller la voir. Donc ça, c'est vraiment cool, ça aide un petit peu, c'est un plus. Alors, on peut croire que c'est un petit peu gadget, lorsqu'on l'a pas, on se dit oui, c'est un petit peu gadget, et quand on l'a, on se dit, c'est vrai que c'est quand même un vrai plus, et je trouve ça vraiment très intéressant, surtout sur ce genre de voiture, de pouvoir l'avoir. Le gros logo Peugeot, une petite caméra ici, donc on a une sorte de fausse caméra 360 avec caméra avant et arrière, pas sur les rétros, on peut l'avoir en option également. Le logo 3008 qui est toujours marqué maintenant ici sur les voitures, donc à chaque fois à l'avant et on retrouve à l'arrière, donc ça c'est comme on avait à l'époque, par exemple une 504, 404, etc. On avait marqué, c'est bien de pouvoir le revoir ici, ça met une petite touche supplémentaire. Un pare-choc simple, ici les capteurs d'aide à la conduite qui sont intégrés donc ici à ces grilles. Là, la grille ici, derrière, elle est totalement fermée, donc pas besoin de refroidissement, tout rentre par ici. Une lame assez jolie qui est dédoublée avec des petits inserts assez sympas, des capteurs de parking ici et ici. Sur le côté, on a ces nouvelles parties qui sont totalement fermées, qui sont là juste pour le style, et pareil, ça contribue à élargir un petit peu la voiture, et comme on peut le voir, bah, c'est vrai qu'elle fait quand même assez imposante, et même si elle n'est pas très large, eh ben, elle fait bien assise. Un capot très simple, donc avec juste cette petite ligne-là, c'est un petit peu enfoncé de chaque côté. Voilà. On a quand même un avant assez agressif, je trouve, avec toute cette partie-là, surtout là, ça la rend beaucoup plus virile, je trouve, que l'ancienne. Comme on peut le voir, une garde au sol assez haute, je peux quasiment passer mon pied ici, on sera aux alentours des 20 cm. Sur le côté, toujours ces codes du SUV, les arches de roue ici en plastique, bas de portière en plastique avec les bas de caisse. Donc, ça donne ce côté un petit peu plus baroudeur. Une partie chromée ici, on a du chrome ici, on a du chrome sur la partie haute. Donc, ça reste assez sympa, surtout avec ce biton du blanc chrome noir. Je trouve ça assez agréable et ça se fond bien vraiment sur la voiture. Au niveau des jantes, on pourra avoir du 17 au 19 pouces. Aujourd'hui, on a une version 18 pouces. Le petit rappel GT ici. Quand on parlait des roues, on a les freins disque avant et arrière. Des fenêtres assez petites, une ceinture de caisse montée assez haute. Toujours ces codes du SUV. Poignée frigo avec l'option qui laisse. Je vous avoue que vraiment, le fait d'avoir la clé dans sa poche, pouvoir s'approcher de la voiture, tirer, monter dedans et fermer en appuyant sur le bouton, c'est quand même un vrai, vrai plus. Des rétros simple en noir avec le répétiteur de clignotant et comme je vous disais donc du biton avec du blanc là et toute la partie haute en noir avec le toit ouvrant en plus aujourd'hui. Alors l'arrière de cette 3008 par rapport à l'ancienne, il n'y a pas grand chose qui change, c'est surtout au niveau des feux, toujours ce long béquet ici, cette vitre un petit peu inclinée, un troisième feu stop qui est intégré ici, le petit balai d'essuie-glace bien pratique, le logo Peugeot. Donc ça, on n'a toujours pas encore les nouveaux logos Peugeot. Peut-être qu'en fin d'année, s'ils nous font un petit restylage sur le 3008, on aura peut-être les nouveaux logos. 3008 écrit ici, les feux, donc avec trois griffes de chaque côté. On a un clignotement défilant sur ces versions de ces nouveaux feux. La finition GT qu'on a choisie ici. Alors, ce n'est pas marqué allure, etc. à chaque fois, c'est juste GT qu'on a en finition à cet endroit-là. La caméra de recul cachée. Juste ici, la plaque sur cette partie du coffre, une sorte de plastique ici, donc plastique de base avec la grande barre chromée, pareil, qui élargit, tout comme ce long bandeau qu'on retrouve sur quasiment toutes les Peugeot maintenant, hein, ce grand bandeau noir qui fait à chaque fois entre les deux feux pour élargir la voiture également. Et cette partie chromée ici, deux faux pots d'échappement ici, c'est juste des enjoliveurs qui sont posés sur cette partie arrière, des radars de parking ici, le crochet à cet endroit-là, et dans le coffre, hop, donc on a une ouverture automatique.
on pourra avoir jusqu'à 520 litres de chargement. Donc, seuil de chargement ici à plat. On a deux petits bacs sur les côtés pour ranger des produits d'entretien, des petits chiffons et autres. On peut tirer directement ici pour rabattre la banquette arrière, une prise 12 volts là-bas. J'ai ici un double plancher où je peux mettre une roue de secours. Et ici, donc, on ne l'a pas aujourd'hui. Hop, le coffre. Pour vous faire une idée de ce à quoi ça ressemble ici. Voilà, donc moi je rentre sans problème. Et si je veux tirer les sièges directement d'ici, hop, je peux rabattre tout ça. Et alors pourquoi ça ne veut pas là? Ah, il y a eu la ceinture. Et voilà. Donc cette fois-ci, hop. Alors en diagonale, 1m80, ils tiennent. Par contre, sur la longueur, non, je pense qu'on aura environ 1m60 de long. Et par contre, en diagonale, je tiens. Si je veux me faire un petit week-end dans mon coffre, pourquoi pas. Donc ici, on a la plage ici qui est en rigide. On a un plancher quasiment plat lorsque cette partie est restée en partie haute. Sinon, ça fera un petit creux ici et de l'espace de chargement. Et là, je crois qu'on a jusqu'à 1600 litres environ. Hop là! Allez, je vous montre les sièges arrière. Et ensuite, on va à l'avant et on va laisser. Alors, la partie arrière. Hop, j'ouvre. Donc, comme vous pouvez le voir ici, quasiment à plat. Hein. Pour beaucoup des voitures, ça remonte un petit peu. Et là, celui-ci, je vais vous que c'est quand même plutôt plat comparé à certaines autres. Fixation top taser avec l'accroche ici et là-bas et isofix sur les deux sièges d'extrémité. Là, on peut voir qu'on a une petite trappe à ski. Hop, je remonte. Alors, faut pas oublier de mettre la ceinture sur le côté. Alors, ça, c'est dommage qu'il n'y ait pas un petit truc qui la maintienne. Hop, et je viens m'installer à l'intérieur. Hop. Alors, donc, je relève mon appui-tête ici et je viens fermer ma porte. Alors ma porte, j'aime bien la finition, il y a une sorte de petite suédine ici. Alors plastique dur sur l'eau et plastique dur un peu partout et une partie là où j'ai la loi à l'attraper qui est en sorte de cuir un petit peu moussé. C'est plutôt agréable quand je rentre à l'arrière, donc là c'est lumineux. J'ai le grand toit panoramique et ouvrant sur la partie avant, qui est plutôt bien. Au niveau des pieds, alors j'ai pas énormément d'espace au niveau des pieds puisque moi je conduis assez bas et mes pieds par exemple ne passent pas sous les sièges. Ça c'est un petit peu dommage que le CPT creusait un poil plus à cet endroit là. Sinon au niveau des genoux, comme vous pouvez le voir, hein, moi je suis 1m80 comme je disais, le siège à l'avant il est réglé pour moi, j'ai de la place pour les genoux. Juste les pieds, voilà, je vais pas pouvoir étendre mes jambes un petit peu sur la longueur. Par contre, chose très intéressante, c'est que j'ai un plancher plat, donc ça, c'est idéal pour la personne qui viendra s'asseoir ici au milieu. Ma poignée, de quoi poser des cintres ici. On est pas mal. Franchement, on est bien, j'ai une bonne vision sur l'avant. Les appuis-têtes sont pas trop larges, donc ça, c'est une bonne chose aussi, ça me cache pas trop la vue. Ici, il y en a un couloir. Bon, on a de quoi mettre le doigt facilement ici sur le côté. Alors, ah si, ça a été pensé pour en plus, pour qu'on puisse mettre notre doigt ici. C'était creusé spécialement. Donc, ça c'est une bonne chose parce qu'il y en a plein où on met le doigt, on se fait mal au doigt. Ouais, c'est pas mal. Bon, un gros porte-gobelet en plastique qui est en plein milieu. J'aurais préféré que ce soit un poil plus sur l'avant. Sinon, il est plutôt confort. Et la trappe à ski que j'ouvre ici pour pouvoir avoir accès à ce qu'il y a dans le coffre. Ça, souvent pendant les vacances, c'est bien pratique. Hein. Donc la banquette, elle est en 2/3, 1/3, donc on ne peut pas baisser seulement cette partie-là. Ici, la place du milieu. Hop. Alors la ceinture, elle est mise. Ici, elle est tenue par un élastique. Donc quand on veut la sortir, il faut enlever l'élastique et ça. Donc ce qui est bien, c'est qu'elle est mise sur une bonne boucle qui bouge. Donc ça va faire en sorte que ça ne me dérange pas trop. Alors là, par contre, moi, si je me tiens droit, je touche là-haut. Ah. Je n'ai pas fait attention. Bon, là, j'ai toutes les lumières ici, donc pour le côté, pour si les portes sont ouvertes ou autres. Au niveau des genoux, ça va. J'ai les pieds qui vont se mettre sur les rails, mais les rails sont quasiment à plat, donc c'est pas trop gênant, en vrai. Et l'assise est plutôt confort. Le dossier, on aurait pu penser à plus dur. On est bien. Partie plastique ici pour les enfants avec leurs pieds quand ils vont taper avec les sièges enfants, c'est pas plus mal. Des filets, et ça c'est plus facile à nettoyer surtout. Bah, on est pas mal, et puis là, cette belle visibilité sur l'avant, sur ça. Ouais, c'est agréable. Et sur les sièges à l'arrière, aujourd'hui on a une sorte de cuir plus alcantara, alors j'adore le toucher, c'est très très agréable. La finition est plutôt jolie, et au niveau du maintien latéral, eh ben, c'est vraiment pas mal parce que c'est creusé. Et je sens que même en conduite dynamique, et ben à l'arrière, je vais pouvoir me maintenir assez bien dans ces sièges. Bon allez, c'est parti, on passe à l'avant et on va faire un tour ensuite.
Allez, je vous emmène faire un tour à l'intérieur, à l'avant, de cette façon. Bon, je vous montre la portière ici. Donc cette partie à l'avant, c'est toujours un petit peu moussé, cette sorte de suédine ici. Alors c'est très sympa, c'est doux, c'est agréable. Ensuite, on retrouve du plastique sur tout le reste, le bas, et cette partie en cuir ici, comme vous pouvez voir, c'est agréable, c'est moussé en dessous, c'est confortable. Les fenêtres, les réglages des fenêtres et des rétroviseurs juste ici. La poignée ici qui tombe à l'intérieur du bac ici, donc on aura de quoi mettre une bouteille ici et des petits bonbons. Le seuil de porte ici où c'est noté Peugeot, on peut le voir là. On a des sièges aujourd'hui qui sont manuels. On aura en option des sièges qui seront électriques, massants, à mémorisation et autres, comme on avait eu dans la première vidéo d'un 3008. L'intérieur donc ressemble à ça. Hop, je viens, je m'insère. Donc ici, on a de quoi ouvrir le capot moteur. Je recule à fond et voilà. Les pédales ressemblent à ça. On a un pédalier aluminium, un gros repose-pied ici. On tombe sur ce volant qu'on connaît bien chez Peugeot. Donc chez Peugeot, on regarde le tableau de bord par le dessus. Je la démarre. Hop, j'ai mes compteurs. Et je vais ouvrir un petit peu parce que je vous avoue qu'il fait plutôt chaud aujourd'hui. Le volant, le petit volant de chez Peugeot comme on connaît. Donc on regarde toujours au-dessus le compteur là-bas. On a cet écran ici. Donc on peut avoir des raccourcis sur la touche piano. On en revient juste après. Volant GT puisqu'on a une finition GT aujourd'hui, le Peugeot, l'ancien logo encore, sur la gauche ça va être le son pour la radio, ici je vais faire défiler mes écrans là-haut, donc lorsque je tourne ça, ça me fait défiler. Ici donc j'ai par exemple la navigation, donc je peux avoir un GPS qui s'affiche de cette façon. Je vais avoir la conduite, ça va être mes ailes à la conduite, alors ce que je peux reprocher c'est que c'est des fois un petit peu lent quand on est pressé. Et voilà, on a un contour, la vitesse, alors ça dépend comment on les veut. Là, j'ai toujours ma barre d'essence et mes températures. Donc, comme vous pouvez voir, l'animation, c'est pas ultra rapide. On peut avoir un minimal qui va vraiment juste me donner la vitesse et mes infos minimum. Personnel, c'est quelque chose que je peux personnaliser. Donc là, par exemple, c'était personnalisé avec les consommations. Ici, il n'y a rien, là, je peux mettre quelque chose d'autre. Vous pouvez le voir ici, il y a un petit icône avec une lune, ça c'est pour le net, je viens de dire qu'on l'a de dispo. Allez, moi je me remets mon compteur ici, j'aime bien le personnel que j'ai personnalisé, comme ça je peux voir mes consos. On peut voir ici, alors je ne sais pas si vous allez le voir, mais il y a un petit peu de bleu qui est intégré là, puisqu'on a une LED bleue. On va voir du LED ici également, alors, je ne sais pas si vous pouvez le voir là. Ouh, le soleil. Oups. Et dans les portières de l'autre côté également. Sur la droite ici, ça va être pour ce qui va être radio, liste, c'est pour avoir la liste des stations comme ça, et source, si vous utilisez votre téléphone, le Bluetooth ou autre. Et ensuite, on fait défiler radio là, décroche au téléphone, là sur la gauche, c'était la commande vocale. On a des palettes derrière le volant puisqu'on a une boîte EAT8 ici, donc la boîte de vitesse automatique, 8 rapports. On peut passer les rapports ici, on peut les passer directement en automatique grâce au sélecteur ici. Derrière, on aura cette partie pour le régulateur adaptatif. Lorsque vous allez voir le petit logo ici, ça va être qu'on a le régulateur adaptatif, qu'on va pouvoir régler la distance entre nous et le véhicule qui nous précède. Limiteur, off pour l'éteindre, et cruise, c'est le régulateur. Ensuite, même, on peut toucher deux fois, ça lit les panneaux et ça va s'adapter, et on peut mettre en pause ici. Et derrière, ici, on va régler la vitesse plus ou moins. Ici, ça va être pour les clignotants et les feux. Donc, hop, on a bien sûr un mode automatique, comme vous pouvez le voir là. Et sur la droite, ça va être les essuie-glaces. Donc, on aura bien sûr un mode automatique également. Et l'arrière, et lorsque j'appuie ici, selon les menus, ça me donnera mes consommations affichées à l'écran. Sur la gauche, un aérateur. Ici, des aides à la conduite encore. Donc, lorsqu'on a ça, c'est le maintien dans les lignes. Ça veut dire que si vous avez mordu une ligne, ça va vous remettre au centre. Et ça, lorsqu'on a le volant comme ça et que c'est activé en vert, c'est le centrage de voie. C'est-à-dire que c'est la voiture qui va conduire toute seule, qui va suivre les lignes et vous n'avez pas besoin de toucher au volant, même s'il faut toujours laisser les mains sur le volant. Si j'appuie deux fois ici, ça m'ouvre le coffre. Ça, c'est l'alarme et ça, c'est le verrouillage pour les enfants à l'arrière. Ici, on a une petite cachette secrète pour mettre des petites pièces ou autres. On a le volant qui est réglable en hauteur et en profondeur, donc on trouve assez facilement cette position dans le 3008. Contrairement à beaucoup de Peugeot, moi je trouve que c'est beaucoup plus facile et surtout là je vois bien au-dessus de mon volant pour avoir l'écran.
cet écran. J'ai positionné en hauteur ici, donc qui est bien sûr tactile. Donc j'ai bien sûr mes informations de cette façon. Donc je peux le gérer soit en tactile comme ça, soit je peux le gérer grâce au raccourci qu'on a juste en bas. Donc je vais avoir le warning ici, des applications avec un raccourci ici, le menu téléphone si j'ai connecté quelque chose, mes réglages de la voiture, la navigation, donc qui va avec le GPS, le menu climatisation et le menu musique juste ici. Donc ces touches-là sont des raccourcis. Pour la clim, j'ai des raccourcis toujours avec le dégivrage des embouages ici et verrouiller le véhicule à cet endroit-là. Ça, c'est pour le son. Donc on a une sono focale aujourd'hui, donc on a en option avec les Bose haut-parleurs focales. Donc ça, c'est très sympathique. La sono est de bonne qualité avec des autres haut-parleurs ici. En dessous, on a l'endroit avec en option le chargeur par induction pour vos téléphones et une prise USB comme vous pouvez voir au fond où j'ai connecté mon câble. Une prise 12 volts, de quoi démarrer la voiture juste ici. Le sélecteur ici, donc on a une boîte 8 rapports aujourd'hui automatique. Drive, je pince ici, je tire vers l'avant, je passe en drive. Reculer, je pousse vers l'avant. Et là, j'ai des caméras. Donc comme vous pouvez voir, j'ai une caméra avant et arrière. Et petit à petit, ça va faire le dessin chez Peugeot lorsqu'on va rouler ici. Pour revenir en mode parking, pied sur le frein et j'appuie ici. Et je peux passer en mode manuel en appuyant sur le bouton M et jouer que avec les palettes. Et ensuite, il faudra que je rappuie ici pour revenir en automatique. Le frein de stationnement qui s'enlève tout seul et les drive modes. Donc j'ai 3 drive modes. J'ai le mode sport, le mode sport qui me met en rouge, le mode normal qui va revenir en bleu et un mode éco. Donc 3 modes différents, on va voir pendant la conduite. Ensuite ici, un petit bug de rangement, double porte-gobelet à cet endroit-là qui s'éclaire avec une aide bleue à l'intérieur de nuit. Et toujours donc ce gros rangement ici, alors avec un petit bac, comme vous pouvez le voir là, donc ça que je peux retirer, et un rangement très très profond. Regardez, si je mets le bac au fond, je peux vraiment mettre quasiment tout mon avant-bras. Regardez, il y a vraiment tout qui rentre. Ça, c'est vraiment une bonne chose parce qu'on a vraiment beaucoup de rangement ici, et bien sûr, il est éclairé. Le siège, je vous remontre, le siège ici passager, donc avec cette finition Alcantara cuir très très sympathique, et le toit panoramique, donc belle partie, très sympathique. Ça fait toujours plaisir d'avoir ça dans une voiture parce que ça apporte de la luminosité et c'est plus chaleureux. Sur le haut, on va avoir donc nos réglages pour le toit ici, donc les réglages pour lever l'homme et ouvrir ici. Les LED pour allumer sur les côtés, on va pouvoir régler si on ouvre les portes ou pas, la touche SOS et la touche d'assistance Peugeot. Le rétro ici, donc sans bord, donc borderless ici que j'aime bien, c'est beaucoup plus joli. On a une rétrovision correcte, alors je ne dis pas qu'on voit très très bien l'arrière parce que c'est pas très large, mais on voit suffisamment. On a des gros rétroviseurs sur les côtés ici, comme on peut le voir. Bonne visibilité, dommage qu'il n'y ait pas les coins bombés, moi j'aime beaucoup. Et le détecteur d'angle mort juste ici. Bon, voilà un petit peu hein, pour tout ce qu'il y a à cet endroit-là. Et puis il ne nous reste plus qu'à aller l'essayer cette voiture et voir comment ça se comporte sur la route. Bon allez, c'est parti pour l'essai donc de cette 3008 en version essence 130 chevaux. Donc pas d'hybridation ou quoi que ce soit, donc une version de base. Donc on est dans un pack GT, on a les caméras de recul juste ici. Le frein à main se dessert automatiquement quand on vient de démarrer la voiture si on ne l'avait pas activé manuellement. Hop, donc caméra de recul, on a toujours la petite zone qui se fait ici. Et c'est parti, donc boîte AT8. Ce que j'aime beaucoup avec la boîte automatique, c'est que c'est facile, c'est confortable, on n'a pas besoin de passer les vitesses. Et c'est surtout pour moi un gros gros avantage sur la voiture. On a quelque chose d'agréable, de facile à rouler. On a le start and stop aussi qui peut s'activer. Une voiture, pour le moins, hein, confortable et qui est quand même bien au quotidien. Parce qu'on a de l'espace, on a de la place à l'arrière, on a du coffre. C'est pour ça qu'on en voit autant sur la route. Le petit volant. Bon, là, j'avais une 308 juste avant, je m'y fais bien. Par contre, dans la 3008, ma position de conduite est bien.
comparé à la 208 où je supporte pas et j'ai vraiment beaucoup de mal, la 308 où c'est difficile de s'y faire, la 3008, comme on est dans une sorte d'SUV, le volant est plus haut et j'ai pas besoin de le descendre tout en bas. Et pareil, l'affichage tête haute là ici, donc avec cette high cockpit, est positionné assez haut pour ne pas que le volant me cache une partie de l'écran. Et ça, c'est vraiment mieux que les autres, parce que souvent les autres, pour trouver sa position, c'est pas facile. Alors que là, je suis rentré en voiture, j'ai bougé mon siège, j'ai fait 2-3 petits réglages, mon rétro, et j'ai tout de suite trouvé une position idéale. Et le petit volant, c'est vrai que lorsqu'on est en ville et autres, et ben c'est quand même un avantage parce que c'est vraiment tout petit. Et ça permet aussi d'avoir là des accoudoirs bien remontés, et le fait qu'il soit tout petit, ben on n'a pas des grands mouvements à faire avec le volant. Et comme il est là ici, bah c'est plutôt pas mal. La seule chose, c'est les doubles méplats. Des fois, on s'y perd un peu. Souvent, on est habitué avec les voitures sportives à avoir un petit méplat en bas. Donc, on sait, il reste arrondi. Des fois, si on n'y fait pas trop attention, on se dit « Ah, bah le haut, où est le haut, où est le bas ?» C'est la seule petite chose pour moi qui peut être un petit peu bizarre avec ce petit volant. Mais en tout cas, dans le 3008, c'est beaucoup plus agréable. Là, à 50 en ville. Bah, franchement, là, on a le petit moteur. On l'entend très légèrement. Il reste plutôt agréable. Hop. Par contre, dès qu'on relance un petit peu... Ouh là là, monsieur. Donc, dès qu'on relance un petit peu, il va être assez bruyant. Bon, on va voir sur autoroute et autres ce que ça va donner. Mais sinon, lorsqu'on roule de façon stabilisée, sans forcément forcer, ça reste plutôt discret. L'insonorisation de la voiture est plutôt pas mal. La pédale de frein, elle a un bon mordant. C'est, dès qu'on appuie dessus, ça va vraiment bien stopper la voiture. Le châssis du 3008 est bien réactif avec le volant là. Je sens que c'est réactif. Les châssis Peugeot, ça a toujours été top. Et en même temps, elle est confortable. J'ai quand même roulé un petit peu avec. Et c'est vrai que bah, c'est une bonne voiture du quotidien, quoi. L'intérieur est sympa, là, surtout avec cette sorte de suédine, là, j'aime beaucoup. Puis même quand on voit l'intérieur, on regarde des fois dans sa voiture, on se dit, ah, c'est pas mal. Bon, après, j'ai mon régulateur ici. Hop. En plus, dans celle-ci, j'ai le centrage de voie aujourd'hui, plus le régulateur adaptatif. Franchement, on est plutôt bien. Même si c'est pas forcément la plus moderne de toutes, au moins, elle a toutes les options qui vont bien. Et ça, c'est reste quand même un avantage. Et le régulateur adaptatif, ça, c'est la petite chose qui m'a manqué sur la 308 que j'ai essayé juste avant. C'est que j'avais pris vraiment l'entrée de gamme et il n'y avait pas. Et quand on est habitué aux aides à la conduite, c'est vraiment un très très gros plus, je trouve. Surtout en plus en boîte automatique. Pour moi, je ne reviendrai pas aux boîtes manuelles. Maintenant que j'ai goûté à ces boîtes auto, à part pour une voiture vraiment plaisir, une voiture où je me dis, voilà, je vais m'amuser avec, ok. Sinon, je vais juste me prendre des boîtes manuelles. C'est tellement plus confortable au quotidien. On a tellement moins de choses à gérer qu'au final, c'est mille fois mieux. Et en plus, on peut avoir toutes les aides à conduite, avoir la voiture qui va jusqu'à l'arrêt lorsqu'on est dans les bouchons. Voilà. N'hésitez pas à me dire, est-ce que vous préférez la version avec la boîte de vitesse manuelle ou est-ce que la boîte automatique, vous trouvez ça quand même mieux, et est-ce que vous la prendriez? Parce qu'il y a beaucoup de gens qui disent oui, c'est vrai que c'est pas mal, mais je suis pas prêt encore. Et bah, personnellement, je reviendrai pas pour une voiture tous les jours à quelque chose de manuel. Enfin, surtout en habitant en région parisienne, ça c'est quand même beaucoup mieux. Après, à la campagne, pourquoi pas? On a quand même beaucoup moins joué avec le bâton du levier de vitesse. C'est un choix à faire. Personnellement, moi je suis une boîte auto. En accélération, on a 130 chevaux, on a une voiture qui n'est pas excessivement lourde. Donc ça c'est pareil, le poids ça joue énormément sur la réaccélération. Une belle Mégane RS avec les superbes jantes et canon. Donc comme je disais, le moteur on l'entend un petit peu. C'est le bruit caractéristique hein, de celui-ci en plus. Une fois qu'on a un régime stabilisé, ça va, ça devient correct. Donc là, ce que je vais faire, c'est ici, ce sera 110. Je me règle mon régulateur. Alors, on va commencer par un petit peu à 90.
mais là en gros ça y touche. Et regardez, encore un 3008 devant. C'est vrai que c'est une voiture qu'on va voir partout par contre. Mais s'il y en a partout, c'est que normalement c'est bien. Si les gens achètent, c'est que c'est bien. Enfin souvent. Le problème avec Mégane RS, c'est canon. En jaune comme ça. Alors, hop, on relance, on s'insère. 90. Donc là, ouais, la boîte est en 7ème. Elle ne veut peut-être pas passer tout de suite le rapport. C'est agréable. Là, on est légèrement monté. On entend légèrement le bruit du moteur. Quasiment pas de bruit du vent. Ouais, c'est plutôt pas mal. Allez, je vais relancer au régulateur. Je lui dis d'aller se mettre à 110. Elle me tombe un rapport. Elle s'est remise en 2 rapports même. Elle s'est remise en 5. Elle relance. Elle passe la 6, 7. Et dès qu'on va se mettre, à mon avis, sur une zone de plat, elle va repasser la 8ème. J'entends légèrement le moteur, un petit peu le bruit du vent. Ouais, on entend quand même pas mal de moteur. Après là, on est un petit peu en montée. Les bruits de vent sont bien contenus, les camions, je les entends peu. Là, celle qui ralentit parce que devant ça ralentit autre. Si elle a besoin de relancer, elle n'hésite pas à tomber un rapport. Et là, ça ralentit. Donc, par exemple, dans ces situations, moi, je fais pleinement confiance à ma voiture. Regardez, je ne touche pas aux pieds ni aux mains. Depuis qu'on s'est inséré, je n'ai pas touché à ma pédale d'accélérateur ou de frein. Et la voiture gère toute seule ce qui se passe devant. Et ça, c'est bien. Enfin, c'est vraiment un stress en moins au quotidien. Donc là, on passe dans une zone de nuit, comme vous pouvez le voir. Donc, on a des petits éclairages ici sur le côté, dans les portières. Donc là... Et là-bas, on a ici au niveau des porte-gobelets, un petit peu ici, et qui reflète un petit peu là, et dans les vides-poches sur les côtés des portes. C'est quelque chose de simple, mais c'est agréable. Plus en bleu, comme ça, j'aime vraiment bien. C'est simple, mais ça amène une petite touche en plus. Et pour s'insérer, là, on va faire une reprise. On est à 70, on va faire un 70-110, allez. Ça met un petit peu de temps. 91, 100... 110. Ça y va gentiment. Donc là, il faut savoir que je suis tout seul en voiture. Encore un 3008. C'est fou, hein, le nombre de 3008 qu'on voit. La reprise est correcte avec ce 130 chevaux. C'est pas fou. Après, ça fait le job. Hein. Pour beaucoup de gens, ça va être un petit peu les motorisations standard. Et en vrai, pour une utilisation au quotidien, on n'a pas forcément besoin de plus. Donc là, en ayant fait un petit mixte, j'ai une moyenne à 7,4 litres pour le moment là, sur les 30 derniers kilomètres. On va bien sûr continuer cet essai et voir quelle est la moyenne au total. Bon, allez, on va se mettre à 130, je relance. On entend un petit peu le moteur sur les phases de relance. Hop, on arrive à 130. Je mets mon régulateur à 130. On a un petit peu de bruit du vent. Mais ça va, ça reste correct. Le moteur, je ne l'entends pas, on est en légère montée. Au final, il est un petit peu camouflé par le bruit du vent. Bon, après, bah, ça reste une voiture récente. Hein. Oh, la nouvelle 308 en noir, première fois que je la vois en noir. Très sympa, on l'avait en verte là. Non, même à 130, ça reste agréable. On entend un petit peu, mais c'est surtout le bruit du vent que j'entends. La suspension filtre bien quasiment tout. Et on garde quand même ce châssis, comme je disais, assez dynamique, même si voilà, on sent que ça ballotte un petit peu quand je fais ça, bon, ce qui reste normal. Hein. Une voiture un petit peu sportive va forcément s'affaisser un petit peu avec un minimum de roulis. En vrai, c'est très très correct. Bon, et puis en ville... J'ai quand même toutes mes assistances. Allez, alors, il faut tenir le volant de temps en temps. Et là, elle va jusqu'à l'arrêt complet. Elle s'arrête. Ça, c'est agréable. C'est quand même un vrai plus. Et il y a le auto-hold lorsqu'on le met de cette manière. Parce que sinon, j'ai pas mon petit bouton auto-hold juste ici. Alors, hop. Mais par contre, si je l'arrête et que je fais ça,
c'est pas pareil parce qu'elle va pas mettre le start and stop lorsqu'on a les aides à la conduite. Et j'ai l'impression que la première va rester engagée tout le jour un petit peu. Et ça fait une petite vibration supplémentaire. Donc dans les bouchons, c'est bien. Mais pensez, lorsque vous allez vous arrêter comme ça, à freiner vous-même et désengager le système. Et ensuite, à le réactiver une fois que c'est reparti. Après, petite chose à savoir, j'ai essayé aussi sur l'autoroute, c'est que si vous ne tenez pas le volant, elle va vous avertir. Et au bout d'un moment, elle va vous désactiver le centrage de voie, donc la conduite du volant automatique. Et il faudra venir appuyer sur le petit bouton ici pour le rappuyer et le réenclencher en vert. Parce que quand elle a sonné, en gros, elle vous met une sorte de petite punition en disant « Hey, tu m'as pas écouté, je t'ai dit de tenir le volant, tu n'as pas tenu, donc je te désactive ça. » Donc, elle laissera le régulateur adaptatif, mais vous n'aurez plus le volant. Donc, il faudra juste venir appuyer sur la touche verte avec le volant sur le côté qui réactivera tout ça. Donc là, par exemple, là, tout est activé, 50 km/h, et là, je peux laisser. Donc, même pour la ville, ça reste quand même agréable. Bon, attention, parce que des fois, ça peut suivre des lignes et par exemple là il y avait des petits plots, elle n'a pas forcément bien vu. Après le régulateur adaptatif, ça marche plutôt bien. Par exemple là vous pouvez le voir dans les bouchons, c'est vrai que c'est un stress en moins et c'est vrai que lorsqu'on fait beaucoup de bouchons, bah, c'est quand même beaucoup plus agréable. Mais sinon pour la ville, voilà. Et ce que je vous conseille, c'est sur la fin d'appuyer vous-même sur le frein. En fait ça désengage plus la boîte que quand c'est la voiture qui le fait, parce que sinon là par exemple je réactive. Et donc là, hop, là je touche à rien. Mais j'ai l'impression que c'est pas pareil. Ouais, je sens vraiment qu'il y a une différence avec le moteur et que ça vibre pas pareil. Bon, la qualité sonore, on a du focal. Focal, c'est vraiment top. Hein. C'est connu aussi vraiment dans le milieu de l'audio. Qualité sonore de la radio, si on a du focal, c'est vraiment bien. Même si on n'a pas cette option, la qualité maintenant des enceintes, elle est vraiment correcte. C'est plus comme à l'époque sur une vieille 106 où ça résonnait dans les portes et autres. C'est vraiment correct. Bon, allez, petit dos d'âne ici. Je vais faire exprès de passer bien dessus en plein milieu. Alors, on sent qu'on a une suspension un peu ferme, mais qui filtre bien les défauts. Pareil sur les plaques d'égout et autres. C'est vraiment une voiture top pour le quotidien, quoi. Même si c'est gros, qu'on n'a pas forcément besoin d'un gros SUV pour le quotidien, mais je sais que beaucoup utilisent cette voiture pour tous les jours. C'est une voiture de société hyper répandue. Après, c'est vrai que c'est pratique parce qu'au final, ça fait de la place pour tout le monde, fait de la place pour la famille. On peut partir avec en vacances sans problème. Au niveau du rayon de braquage, là, comme on peut le voir, c'est une des meilleures dans son segment. Au niveau du rayon de braquage, il va avoir le petit rond-point qu'on connaît bien juste au bout de la rue. Pareil pour se faufiler. C'est ultra pratique. Hop. Ça tourne facilement. On a une direction plutôt bien assistée, pas trop. Donc ça veut dire que j'ai quand même un ressenti dans le volant. Ça c'est assez important pour moi. Pareil pour le plaisir de conduite, ça joue. Parce qu'avoir une direction trop assistée, ça rend la voiture floue en fait. Pas floue, hein, comme la mise au point. Hein. Et dans les petites rues. Le gabarit n'est pas énorme, donc on s'y fait assez bien. Et donc là, le test du rond-point, tout petit rond-point, on va se faire le demi-tour, hop, je braque à fond, comme vous pouvez le voir, ça tourne tout seul, et il n'y a pas de souci. Alors, je n'ai pas le rayon de braquage exact, mais en tout cas, c'est un des SUV qui braque le mieux. Et la petite accélération comme d'hab, on sent que, bon, voilà, c'est pas waouh. Mais ça fait largement le job. Et là, sur sur un trajet là, de 61 km, j'ai une moyenne à 6,4 litres, donc on est traversé un petit peu tout l'Île-de-France. Bah, c'est plutôt pas mal, hein. 6,4 litres pour un moteur essence. Avec la 308 qui faisait 110 chevaux, j'étais à 5,4 litres. Donc qui est beaucoup plus petite, beaucoup plus aéro. Donc là, 1 litre de plus avec un 5008, bah, je trouve ça vraiment raisonnable. Et ici, sur des petites routes assez dégradées, qui sont en ville, je fais exprès de rouler un petit peu partout sur les patchs de goudron et autres, sur les plaques d'égout, sur les anomalies. On va les ressentir forcément un petit peu, hein, mais c'est vraiment pas dérangeant du tout. Donc là, pareil, hop, tous les petits trous, le gros trou.
franchement, ça filtre plutôt bien. Et alors, le Dodan, je fais exprès de passer moi dessus. Ah, on a de la fermeté, mais en même temps, on se fait pas secouer. On sent que c'est ferme, mais sans trop l'être. Et si je passe, c'est normal. Bon, ça amortit plutôt bien. Et pareil, là, si je fais des zigzags un petit peu, hop, les esquives. Enfin, on sent que c'est plutôt bien. Et pareil, j'avais vu un test sur Internet de collègues journalistes qui faisaient le test d'évitement. Et le 3008, c'était vraiment un de ceux qui faisait le mieux le job et qui gardait vraiment un très très bon train roulant et surtout qui maintenait super bien la voie. Pour certains, les Peugeot, ça tient même trop bien la route et ça fait parfaitement ce qu'on dit et c'est pas joueur. Alors bon, je pense qu'il vaut mieux que ça fasse trop ce qu'on dit plutôt que ce soit un petit peu flou. Et puis hop, à l'arrêt et le start and stop. Sinon, au niveau de l'éclairage, donc on a dans les portes ici, comme je disais, en haut sur cette partie là, en bas ici qui fait le tour du compteur, à cet endroit là le porte-gobelet et la porte de gauche. Et un truc qui est très sympa que je trouve, c'est qu'on a également ici en haut, donc dans les parties du toit panoramique. Alors ça, c'est agréable. Et puis la vue lorsqu'on est comme ça. Alors la vision de nuit, pour ceux qui n'avaient pas suivi et qui n'ont pas vu l'autre vidéo, on a dans ces menus, lorsqu'on défile ici, la vision de nuit donc qui va apparaître. Et comme vous pouvez voir là, on voit la voiture de devant. Hop, alors frein à main desserré, ok. Et donc là, vous pouvez voir, c'est ce qu'il y a en réel, ça apparaît en vision de nuit juste ici. Alors ça, c'est plutôt utile lorsqu'on est sur une petite route de campagne qui fait vraiment nuit, et ça va nous aider, nous assister, ça va détecter les piétons également. Mais c'est vrai que bon, c'est quand même assez stylé. Ah, et là, je sais pas si vous l'avez vu, mais donc par exemple là, dès que je vais tourner un petit peu plus, vous voyez, ça éclaire, hop, dans les coins. Donc on a l'éclairage d'intersection, ça c'est bien pratique aussi de nuit. Et la chose la plus intéressante, c'est que ça va détecter les piétons au loin comme ça, et ça va les détourer en jaune. Ça marche aussi sur les animaux, et ça, c'est assez impressionnant. Donc là, comme on a vu, il y a quelqu'un qui vient de passer. Bon alors, ce 3008, qu'est-ce qu'on en pense dans une version, alors où il n'y avait pas les 300 chevaux comme la première fois? Le 130 chevaux, c'est suffisant. Ça consomme plutôt modérément, 6,4 litres de moyenne, j'ai réussi à faire pour un SUV. C'est correct, il n'y a pas de micro-hybridation, pas d'hybridation sur celui-ci, mais il existe en hybride rechargeable, comme je disais, si vous voulez de l'électrique. L'avantage, c'est qu'on garde quand même le choix entre essence, alors certes, on a cette motorisation 130 seulement, du diesel, 130 chevaux également, ou les versions hybrides qui se font de plus en plus, et l'État qui nous pousse encore un petit peu à acheter ça de plus en plus. Les diesels, pour quelqu'un qui fait de la route, ça reste toujours avantageux. Par contre, attention, les LFE, tout ça, ça arrive. Les diesels, il va falloir y réfléchir. Essence, pour moi, c'est toujours correct. La seule chose, c'est que ce petit moteur 1.2, il est un petit peu bruyant. Il n'y a pas énormément de freins moteurs, parce que ça, c'est à cause du downsizing. Bon, ça fait le job, en tout cas, ça roule, c'est plutôt sobre. C'est un petit peu ce qu'on demande. Et après, on n'a pas forcément une conduite sportive tous les jours. Au niveau du châssis, ça reste dynamique, ferme et confortable à la fois. Je trouve que c'est un bon compromis qu'ils ont réussi à trouver là. Un prix, on va dire, qui reste plutôt correct à partir de 34 600 euros. Donc on va dire 35 000 euros. On rajoute quelques petites options et on peut monter jusqu'à 56 000, voire un petit peu plus selon si on prend vraiment toutes les options. Comme je vous disais, on peut avoir des sièges massants et autres. Et une version qui va jusqu'à 300 chevaux où c'est vraiment la folie. Petit plus que j'aime bien, c'est le Night Vision. Bon voilà, c'est quelque chose qu'on retrouve ça sur les voitures vraiment très haut de gamme. Et surtout que là, il est vraiment de bonne qualité. C'est ce qu'on retrouve un petit peu hein, chez le groupe Stellantis maintenant, qui s'appelle, et plus seulement PSA, qui est un vrai plus. On avait les aides à la conduite. Moi, je trouve que c'est une nécessité hein, de nos jours. Surtout, en fait, quand on y a goûté, repartir sur un modèle qui n'en a pas, c'est assez difficile. Boîte de vitesse manuelle, bah, vous connaissez un petit peu mon avenir hein, si vous connaissez la chaîne. Moi, je suis vraiment pour l'automatique. Je trouve que c'est un vrai plus, même si le manuel reste excellent pour une voiture plaisir. Donc, par exemple, si on avait une 308 PSE, s'il vous plaît, sortez-nous en une, où là, il y avait une boîte manuelle, effectivement un gros plus. Bon, j'espère que cette vidéo vous a plu. Si oui, n'hésitez pas à mettre un petit pouce bleu, à commenter. Et puis, je vous dis à bientôt pour une prochaine vidéo. Ciao.